Jean Annie, les métiers de Dieu, préliminaire à une spiritualité du travail, chapitre 8, Pastor et Nota. Dans la prophétie des papes, entre guillemets, dite de Malachie, entre guillemets, la devise attribuée à SS Jean 22 est Pastor et Nota, c'est-à-dire pasteur et pilote. Nous n'avons nullement l'intention de discuter ici de la valeur qu'il convient d'accorder à cette prophétie, entre guillemets, note de bas de page. On lira à ce sujet les pages suggestives de J. Tourniac, Symbolisme maçonnique et tradition chrétienne, 1965, 131 et suivantes. Retour au texte. Nous pensons seulement que, prise en elle-même, la formule « Pastor et Nota » convient parfaitement au pape, quel qu'il soit, parce qu'elle résume deux fonctions pontificales qui sont les reflets ici-bas de deux fonctions divines, de deux « métiers » entre guillemets « divins », très proches l'un de l'autre d'ailleurs, et qui manifestent la puissance de Dieu, non comme créateur, mais plutôt comme providence, dans le gouvernement de l'Église et du monde. Le thème du bon pasteur est bien connu. Il ne sera pourtant pas inutile de rappeler les principaux textes qui jalonnent son développement dans l'Écriture depuis l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, si nous voulons ensuite comprendre toute la profondeur de ce symbolisme en même temps que son parallélisme avec celui du navigateur. Le Seigneur, dans les psaumes, est le « berger d'Israël », entre guillemets. Ouvrez les guillemets. Berger d'Israël, prête l'oreille, toi qui mènes Joseph comme un troupeau. Fermez les guillemets, entre parenthèses, psaume 79. Fermez la parenthèse. Le psaume 22 est une admirable bucolique sacrée. L'auteur inspiré trouve là des accents pleins de suavité pour traduire la confiance et la joie parfaite du croyant. Ouvrez les guillemets. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes tendres, il me parque. Fermez les guillemets. Le thème s'amplifie chez les prophètes. Isaïe 39:11, Jérémie 31:11, Ézéchiel 34:23, Michée 7:14, Zacharie 11:4. Ouvrez les guillemets. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un pasteur garde son troupeau. Fermez les guillemets, dit Jérémie. Et dans un long chapitre, Ézéchiel développe et réunit à peu près tous les éléments de ce thème que nous retrouverons dans les évangiles. Le pasteur rassemble les brebis dispersées, les ramène sur leur terre, les fait paître sur les montagnes de l'Éternel, sur des verts pâturages et près des ruisseaux. Enfin, il recherche la brebis blessée et la soigne. C'est déjà le portrait que le Christ se plaira à nous laisser de lui-même. Ouvrez les guillemets. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les conduise. Elles entendront ma voix et il y aura une seule bergerie et un seul berger. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Saint Jean 10, 1, 16, conférez la parole de la brebis perdue. Fermez la parenthèse. Ouvrez la parenthèse, Saint Luc 15, fermez la parenthèse, et la scène des brebis et des boucs au jugement dernier, entre parenthèses, Saint Matthieu 25, fermez la parenthèse. Quand Jésus aura quitté ce monde, c'est Pierre, son vicaire, entre guillemets, qui sera le bon pasteur. C'est pourquoi l'une des intronisations de Pierre comme chef de l'Église a pris la forme d'une collation du titre de pasteur. Par trois fois, Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu » entre guillemets.
Et à chaque réponse affirmative de l'apôtre, Jésus lui dit, ouvrez les guillemets, paix mes agneaux, paix mes brebis. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Saint Jean 21, 15, 17. Fermez la parenthèse, note de bas de page. L'autre intronisation de Pierre consista dans l'imposition de son nouveau nom. Entre parenthèses, Cephas, Pierre. Fermez la parenthèse. Et la collation du pouvoir des clés. Retour au texte. Plus tard, Pierre, à son tour, dira aux autres évêques et aux prêtres, ouvrez les guillemets, paissez le troupeau qui vous est confié. Et quand le prince des pasteurs paraîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. Fermez les guillemets, entre parenthèses 2 Pierre 5, 2 4 et 1 Pierre 2 25. Fermez la parenthèse. Il n'est guère étonnant que, chez un peuple nomade, au moins d'origine, comme le peuple juif, l'état de pasteur ait été tellement valorisé. D'ailleurs, le berger, qui est toujours un semi-nomade, a l'âme ouverte à la contemplation et, en principe, est plus près de Dieu que le sédentaire et le citadin parce qu'il est moins attaché à ce monde. On notera à cet égard qu'Abel, le juste, était berger, tandis que Caïn était agriculteur et que c'est à des bergers qu'a été faite la première annonce de la nativité. Le symbolisme nautique revêt, dans le Nouveau Testament, une importance aussi grande que le symbolisme pastoral. Il se développe suivant trois directions. La marche sur les eaux, entre parenthèses, Saint Jean 6, 14, 21, Saint Matthieu 14, 24, 33. Fermez la parenthèse. La pêche, le navire et le voyage. Nous ne retiendrons ici que ce dernier thème. La barque du pêcheur, où Jésus monte avec ses disciples, fait partie du paysage, entre guillemets, évangélique, dont elle est une des principales composantes. Le voyage le plus important est sans doute celui de la tempête apaisée. Ouvrez les guillemets. Jésus entra dans la barque avec ses disciples. Et voici qu'une grande agitation se fit dans la mer, de sorte que les flots couvraient la barque. Lui, cependant, dormait. Ses disciples, venant à lui, l'éveillèrent et lui dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Jésus leur dit, « Pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, commanda au vent et à la mer, et il se fit un grand calme. Fermez les guillemets, entre parenthèses, Saint Matthieu 8, 23, 27. Fermez la parenthèse. Saint Augustin, commentant ce texte, en dégage le sens spirituel. Ouvrez les guillemets. La barque, dit-il, c'est l'Église. La mer déchaînée, c'est le monde où nous vivons. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Saint Augustin, de Verbo Domini. Retour au texte. Mais l'exégèse est plus ancienne. Elle appartient à Hippolyte de Rome, qui est plus précis. Ouvrez les guillemets. La mer, c'est le monde. L'Église, comme un navire, est secouée par les flots, mais non submergée. Elle a, en effet, un pilote expérimenté, le Christ. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Hippolyte de Rome, traité sur l'Antéchrist. Sur ce texte, voir J. Danielou, symbole chrétien primitif. Page 6 et suivante. Retour au texte. On voit apparaître ici le thème du Dieu pilote, tandis que dans le récit évangélique, ce n'est pas le Christ, mais Pierre et les disciples qui commandent la manœuvre, cependant que Jésus dort. Rien là de contradictoire cependant. C'est bien Pierre, en effet, qui est le pilote de l'Église, visiblement. Mais il l'est, ouvrez les guillemets, au nom de Dieu, fermez les guillemets. Et c'est finalement le Christ qui mène l'Église, quoique visiblement. Le sommeil de Jésus dans la barque symbolise cette, ouvrez les guillemets, activité non agissante, fermez les guillemets, qui est celle de Dieu. La barque de Pierre, la barque de l'Église, a, dans l'Écriture, un illustre antécédent qui est l'arche de Noé. Et l'on ne compte pas, dans la tradition des pères, les rapprochements faits entre ces deux navires, d'une part, et d'autre part,
entre la mer déchaînée de l'Évangile, entre parenthèses égale le monde, fermez la parenthèse, et le déluge destructeur. Ouvrez les guillemets. L'arche de Noé a été la préfigure de l'Église, fermez les guillemets, dit Saint Jérôme. Note de bas de page. Saint Jérôme, PL 23, 185A, sur toute cette thématique, voire J. Danielou, Sacramentum Futuri, pages 69 à 85. Retour au texte. L'Église est bien, en effet, l'Arca Salutis, l'arche du salut. La préface de la messe, de la dédicace, reprend cette idée en l'appliquant à la fois au temple de pierre et à l'Église spirituelle. Ouvrez les guillemets. Elle est l'arche qui nous sauve du déluge, de ce monde, et nous fait entrer dans le port du salut. Fermez les guillemets, note de bas de page. Sur la barque du salut et la navigation posthume, idée égyptienne passée en Crète et de là dans le monde gréco-romain, voir F. Cumont, Lux Perpetua, page 283 à 286. Retour au texte. Dans la même perspective, on a parfois établi un parallèle entre le Christ et Noé. Le Christ, selon Origène, est, ouvrez les guillemets, le Noé désigné par le Père pour faire l'arche de bois équarrie et lui donner des mesures pleines des mystères célestes. Fermez les guillemets, note de bas de page. Origène, Homil in Gène 2, 3. Retour au texte. Quoi d'étonnant si les images du pasteur et du pilote ont été universellement adoptées pour être les emblèmes du roi, du chef, dans la mesure même où ces derniers sont les lieutenants de Dieu, entre guillemets, sur terre. Homère, Pindare, les tragiques et Platon appellent le roi, ouvrez les guillemets, le pasteur des peuples, fermez les guillemets. Isaïe lui-même dit que Cyrus est, ouvrez les guillemets, le berger de l'Éternel, fermez les guillemets. Entre parenthèses, 44-28, fermez la parenthèse. Quant au mot qui nous sert à désigner l'administration de la société, le mot gouverner, entre guillemets, il vient du latin guberno, entre parenthèses, grec kiberno, fermez la parenthèse, qui exprime d'abord le pilotage du navire. En grec, le pilote se dit kibernetes, ouvrez les guillemets, celui qui pilote un navire, dit Jean Blic, représente la force qui gouverne le monde, c'est-à-dire le soleil divin, fermez les guillemets, note de bas de page. Jean Blic, de Mysteriis 7.2. Même image chez Platon où Dieu est, ouvrez les guillemets, le pilote de l'univers, fermez les guillemets. Politique 272e, ouvrez la parenthèse, et depuis 269c, fermez la parenthèse. En Égypte aussi, le monde est un navire et le maître universel est son pilote, lit-on dans l'enseignement d'Aménopée. Entre parenthèses, J. Vandier, La religion égyptienne, pages 225 et 226. Fermez la parenthèse, retour au texte. La même image se retrouve dans l'Iliade où Zeus apparaît comme le pilote suprême, entre guillemets, Ipsizygos, note de bas de page. Iliade 7, 69, 4, 166. L'image est passée dans l'orphisme. Ouvrez les guillemets. Zeus est le maître pilote de l'univers. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, orphisme, fragment, 6, 10. Fermez la parenthèse. Conféré, Morenz, religion égyptienne, 1962, 95. Entre parenthèses, référence. Fermez la parenthèse, retour au texte. On comprendra dès lors que dans l'initiation royale, en Grèce, est trouvée une place, une traversée de l'eau à la nage et sur une barque, note de bas de page, à Éleusis par exemple, voire V. Manien, les mystères d'Éleusis, pages 325 et 333 à 336, retour au texte, et d'autre part, une garde des troupeaux.
Philon était tout à fait dans cette ligne de pensée lorsque, écrivant la vie de Moïse, il faisait cette remarque, ouvrez les guillemets, « Le soin de garder les troupeaux est une préparation à la royauté », fermez les guillemets, note de bas de page. Philon, Vita Moïse, T. 2, ceci à propos des troupeaux de Jéthro, sur le sens mystique de ces troupeaux, J. Danielou, Sacramentum Futurum, page 180, retour au texte. Ces symboles sont transparents, évidents, pour ainsi dire, sur le plan humain et social. Ils n'ont pas moins de valeur et de sens sur le plan divin. Philon encore nous a laissé un magnifique développement sur Dieu berger suprême de l'univers. Ouvrez les guillemets, la tâche du berger est si haute qu'on l'attribue justement non seulement aux rois, aux sages, aux âmes d'une pureté parfaite, mais encore au Dieu souverain. De même qu'un troupeau, la terre, l'eau, l'air, le feu, toutes les plantes encore, tous les êtres qui s'y trouvent, les êtres mortels et les êtres divins, la nature du ciel aussi, les révolutions du soleil et de la lune, les mouvements encore et les évolutions harmonieuses de tous les astres, tout cela, c'est Dieu, berger et roi, qui le conduit selon la justice et la loi. Fermez les guillemets, note de bas de page. Philon de Agricultura, 50-51 et 41. Retour au texte. Porphyre, commentant la nage initiatique, dit qu'elle représente le passage à travers l'eau impure du monde pour atteindre le rivage ferme où brille l'éclat de Dieu. Un autre ancien, Simplicius, précise parfaitement la signification spirituelle du voyage sur mer. Ouvrez les guillemets. La mer, on a dit que c'était le symbole du devenir. Le vaisseau, ce serait ce qui transporte les âmes dans le monde du devenir, à savoir le sort et le destin. Le pilote du navire, ce serait Dieu qui dirige et gouverne le tout. Fermez les guillemets, note de bas de page. Simplicius, commentaire sur l'Enchire 7, retour au texte. D'ailleurs, l'on sait que les navigations mythiques, comme le périple d'Ulysse et l'expédition des Argonautes, avaient une signification mystique, note de bas de page. Sur l'Odyssée, la Noé-Vilaine, le livre des symboles, tome 6, 2, G. Germain, Genèse de l'Odyssée, F. Buffière, les mythes d'Homère et la pensée grecque, sur les Argonautes, Dante, Paradis, 33-96, 2-1-18. Apollinios de Rhodes, les Argonautiques, entre parenthèses, édition F. Vian, fermez la parenthèse, sur le symbolisme du voyage en général, René Guénon, Autorité spirituelle et pouvoir temporel, page 105 à 108. Retour au texte. On pourra maintenant voir s'éclairer l'un par l'autre les deux symboles. Le pasteur est celui qui nourrit, garde, dirige les brebis à travers les dangers. De même, le pilote, sur son navire, abrite les voyageurs et les conduit à travers les périls des flots. Entre parenthèses, égale les hommes à travers les périls de la vie. Fermez la parenthèse. Mais ce n'est pas encore là l'essentiel. Que voici. Le pasteur rassemble ses brebis, il les ramène, les réunit au bercail. Entre parenthèses, conféré supra les textes d'Ézéchiel. Fermez la parenthèse. De même, le pilote sur le navire réunit les voyageurs qui, dispersés sur les flots, périraient et il les guide au port, but du voyage et sécurité après les périls. Dans son sens spirituel le plus évident, cela veut dire que la miséricordieuse Providence cherche à nous guider au cours de cette vie vers le bercail, entre guillemets, ou le port, entre guillemets, qui sont aussi le salut, entre guillemets. Comme dans l'arche, Noé rassemblait les vivants pour les sauver, de même, il nous rassemble dans son église, le vaisseau qui doit aborder au rivage éternel. Ainsi, selon Dante,
la fonction du pontife romain de pierre sur sa barque et de guider au port l'humanité, ouvrez les guillemets, après qu'auront été apaisés les flots de la cupidité insinuante, fermez les guillemets, dans leur sens le plus élevé, à rapprocher de cette parole de Jésus, ouvrez les guillemets, qui n'amasse pas avec moi disciples, fermez les guillemets. Ces deux symboles désignent la fin ultime de toute créature qui est de, ouvrez les guillemets, rassembler ce qui est dispersé, fermez les guillemets, c'est-à-dire par la voie spirituelle de sortir de la multiplicité pour rentrer dans l'unité, de quitter la manifestation pour retourner à son principe, d'abandonner le temps pour l'éternité. C'est ce que traduit bien l'idée de repos, entre guillemets, qui est attaché au bercail comme au porc. Dans le bercail, les brebis ne courent plus, de même, au porc, les navires cessent d'avancer et, ouvrez les guillemets, l'âme qui a Dieu pour berger possède l'un et l'unité de qui dépend l'univers et, naturellement, n'a besoin de rien d'autre. Fermez les guillemets, note de bas de page. Philon, hop, citation 54. À rapprocher d'un enseignement hindou, ouvrez les guillemets, c'est toi qui, avec le radeau du savoir, remontant le courant de l'ignorance, nous as fait traverser le courant de l'avidya, dont les requins sont la naissance, la vieillesse, la maladie et d'autres maux, jusqu'à l'autre bord de ce vaste océan, sur la terre ferme de la délivrance, où l'on échappe à tout retour dans le monde de la transmigration. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, commenté par Shankaracharya dans la Prashna Upanishad 6.4, traduction R. Alar, dans Études traditionnelles 371, entre parenthèses 1962, fermez la parenthèse, page 140. Retour au texte. Il existe un autre symbolisme qui va dans le même sens. C'est le symbolisme géométrique du centre et de la circonférence. La circonférence désigne le monde, entre guillemets, c'est-à-dire la dispersion, entre guillemets, de l'être dans tout le contingent, l'action, la vie temporelle, tandis que le centre immobile signifie le retour au principe, à Dieu, la contemplation, la vie éternelle. Le bercail et le porc qui rassemblent sont d'autres images du centre par rapport au voyage et au pâturage, images de la circonférence qui disperse. À cet égard, il sera intéressant de se souvenir que, au terme du déluge, l'arche s'arrêta au sommet du mont Ararat. Ce mont, en effet, est une des formes de la montagne cosmique, cette montagne que le déluge ne recouvre jamais et qui symbolise justement, dans toutes les traditions, le centre du monde, l'axis mundi, le point où l'homme entre en communication avec Dieu et où, s'échappant des agitations du siècle, il peut enfin trouver le repos, requies aeterna. Note de bas de page. Sur la montagne cosmique, P. Gordon, l'image du monde dans l'Antiquité, pages 14 à 42, et René Guénon, le roi du monde, pages 63 à 76. Sur le centre, Mircea Eliade, traité d'histoire des religions, pages 315 et suivantes. Images et symboles, pages 33 à 65. René Guénon, symboles fondamentaux de la science sacrée, pages 83 à 137. Et notre livre sur le temple chrétien.